Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un quart d'heure mode. Ce sera vraisemblablement le dernier avant la période de fermeture du showroom, donc du lundi 29 juillet jusqu'au lundi 19 août, date de sa réouverture. Et puis aujourd'hui, vous savez que c'est le dernier jour des soldes, on est mardi 23 juillet, donc elle se termine ce soir à minuit. Donc il y aura encore des articles soldés et peut-être des articles de la nouvelle collection qui commencent à arriver. Alors, je vais commencer par cette robe que je me suis prise aussi parce que je la trouve vraiment très jolie. Bien sûr que c'est une robe d'été puisqu'elle a donc ce décolleté à porter avec un soutien-gorge sans bretelles ou un soutien-gorge à bretelles transparentes. Je vais vous en parler dans un petit moment. Mais vous pourrez aussi la porter, pourquoi pas, pour la période de fête ou alors après avec un petit perfecto dans les tons beige, dans les tons noirs. Tout dépend de la connotation que vous voudrez donner à votre look. Donc, cette robe, comme vous le voyez, est une robe avec une seule bretelle. Au niveau de la taille, on va aller jusqu'au 42. Tout va dépendre de votre tour de poitrine. Moi, je suis en 38 sur le haut. Vous voyez, je la perds un petit peu. J'ai dû la faire reprendre. Vous pouvez, si vous voulez, si vous n'avez pas une grosse poitrine, pardon, aller jusqu'au 42. Elle a un très beau tissu, très beau tombé. Elle est longue, bien longue, vous voyez, avec un volant, on va dire, sur le bas. Elle se noue sur le haut, ce qui vous permet bon, de la remonter, de la redescendre et de l'adapter à votre tour de poitrine. Et puis après, si vous trouvez que les bretelles sont un peu longues, moi je les ai faites un peu coupées, je trouvais que c'était un petit peu long, vous pouvez aussi les enlever. Vous pouvez aussi là carrément, une fois que vous avez trouvé la bonne longueur, vous coupez, vous rassemblez les deux bretelles et pour le coup, vous n'êtes plus embêté par le nœud si vous n'aimez pas le côté nœud. Voilà, et vous avez cet effet-là, on va essayer de le faire. Un effet plus épuré qui est aussi très joli. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc elle est élégante. Alors, c'est une robe à porter avec un soutien-gorge sans bretelles, sans soutien-gorge pour celles qui le peuvent, ou un soutien-gorge sans bretelles, ou un soutien-gorge avec des bretelles transparentes. Donc, il suffit d'avoir dans votre lingerie un soutien-gorge avec des bretelles amovibles et vous adaptez la bretelle transparente. Je pense que sur la prochaine saison, je vais peut-être me lancer dans les bretelles transparentes et peut-être dans les sous-vêtements sans bretelles, parce que sur les modèles d'été, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'aime pas trop laisser apparaître et c'est quand même plus joli quand la lingerie est adaptée au décolleté. Alors, au niveau du prix de cette robe, donc elle était à 45 euros, elle passe à moins 40% jusqu'à ce soir seulement, donc jusqu'à minuit. Si vous me passez une commande, même si je la trouve demain matin, et encore que je suis quand même pas mal connectée jusque tard le soir, mais si je la trouve demain matin, si vous l'avez passée avant minuit, vous pourrez bénéficier des 40% de solde sur ce joli modèle. Alors, je vais alterner nouveau modèle, ancien modèle, j'ai des modèles plutôt soldés, et donc nouvelle co. Donc, cette robe fait partie des modèles qui sont arrivés il y a peu de temps. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa forme, un peu loose comme ça. Côté liquette sur le bas, vous voyez, un petit peu arrondi. Voilà, cette forme liquette, c'est ça. Et donc, elle est boutonnée. Donc, boutonnée d'ici jusqu'au bas. Donc, pour toutes celles qui aiment les robes boutonnées, je vérifie juste que je ne vous dise pas une bêtise et que ce soit des vrais boutons et pas des faux. Hop. Et non, ce sont de faux boutons qui sont cousus. Vous voyez, je me suis fait. Alors, autre modèle que j'aime beaucoup, c'est ce modèle avec ce boutonnage sur le devant. Attention, c'est un faux boutonnage. Vous ne pourrez pas les ouvrir, les boutons sont cousus, il y a une patte pour protéger, mais ça fait un joli rendu. Voilà, elle a une forme liquette sur le bas. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, elle est plus courte sur les côtés et donc légèrement, je vais, voilà, lever un peu la jambe, légèrement arrondie. Bonne longueur. Au niveau de la taille, on va aller donc du 38-40 facilement jusqu'au 50, 48-50. On mesurera s'il y a un souci, mais je ne pense pas. Et j'aimais beaucoup tous ces plis sur le devant qui donnent une forme d'aisance, un petit col. Donc elle fait son job, elle est très sympa cette robe, elle peut faire pour plein d'occasions. Vous avez aussi une patte sur les côtés. Donc elle peut avoir un côté habillé si vous la portez avec des escarpins, que vous l'accessoirisez, ou alors avec des baskets, ça peut être pour aller faire vos courses, elle passera sur plein de choses. 95% viscose, 5% élastane, et puis une jolie couleur vert brésil, c'est la seule. Je vous ai oublié de vous donner son prix, elle est à 32,90 €. Peut-être que je vous la montre de dos. Voilà, comme ça vous voyez bien la longueur. Elle sera sympa aussi en début d'automne avec des petites bottines aussi. Il y a vraiment de quoi l'accessoiriser, un petit perfecto. Il y a plein de choses à faire avec cette jolie robe.
Allez, je poursuis avec une association jupe haut. Alors, ce sont des pulls que je vous ai pas mal montrés. C'était d'autres modèles. C'était le, enfin, d'autres motifs. C'était le même modèle, mais d'autres motifs. C'est le petit pull ajouré que vous pouvez porter sur des robes à bretelles, sur des t-shirts, sur des bandeaux, comme je le fais là. Et j'avais envie de le montrer d'une autre façon. Donc, avec une jupe. Donc, jupe en gaze de coton. J'ai mis un petit bandeau tout simple noir et on peut le porter aussi comme ça, pas forcément sur un vêtement. Je m'explique. Voilà. Vous voyez le rendu? C'est super joli. Donc, le petit bandeau, après, ça peut être aussi un petit top à bretelles. Et la jupe, donc, c'est une jupe en gaze de coton. Je vais vous la montrer sur cintre en kaki. Très agréable, hein. Bien sûr, c'est la gaze de coton. On est vraiment très bien dedans. La jupe, c'est une taille unique qui va aller jusqu'au 42. Et les petits pulls, si vous vous en rappelez, ce sont des pulls qui vont aller de la taille 36 jusqu'à la taille 54 sans problème, parce qu'on est bien sur quelque chose de très loose, de très large. Il y a l'emmanchure assez large pour passer le bras. Et donc, ils existent en plusieurs coloris. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous la montre carrément sur cintre. Voilà, vous savez, c'est ce tissu, vous le voyez de près, de la gaze de coton. Donc ça, il n'y a pas besoin de repasser non plus. Et donc là, je la porte en kaki. Voilà, je l'avais prise en deux couleurs, kaki. Et pour le coup, je vous ai fait un total look kaki. J'ai gardé mon petit bandeau noir dessous, mais j'aurais pu mettre un petit top. Vous savez que les tops, j'en ai de toutes les couleurs. Et pour le coup, ça donne une autre idée de look. Alors, au niveau des coloris, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai oublié de vous donner le prix. Donc, le prix du petit top est à 25 euros. C'est les nouveaux. C'est la nouvelle co. Et les jupes sont à 29 euros. C'est ça, 29 euros. Soit la blanche, soit la kaki. Voilà. Et pareil, hein, c'est avec, même avec une grande chaleur, vous pouvez les mettre sans aucun problème. La jupe kaki, vous pourrez la porter aussi à l'automne, au printemps, plein hiver, je ne sais pas, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas très frileuse, vous mettez une paire de bottes, une paire de collants, pardon, avec des bottes, ça pourra passer. C'est vraiment une matière très, très agréable. Autre joli coloris, ce prune. Enfin, c'est un rouge prune, rouge bordeaux, que je trouve très sympa. Voilà, que j'ai associé donc à cette robe en soie. Donc le pull est à 25 euros, il n'est pas soldé. La robe en soie est soldée, je vous la montre tout de suite. J'ai gardé le petit bandeau parce qu'elle est un peu grande pour moi. Et vous voyez, j'aurais pu l'associer aussi au pull bleu canard. Parce que dans cette robe, vous allez retrouver donc du bleu canard, du rouge bordeaux, du jaune, du moutarde, du camel. Le pull existe aussi en taupe. Voilà. Donc avec cette robe, je trouve que c'est pas ce qui va le mieux. Mais par contre, le taupe vous rendra beaucoup de service sur du noir. C'est super joli, sur du blanc aussi. Donc ça, c'est la couleur basique avec le noir. Donc vous l'avez vu en kaki, vous l'avez vu en bordeaux, vous le voyez en bleu comme ça, bleu canard, en taupe. Et puis au niveau des coloris, je regarde ce qui me reste. Donc dans le modèle là, c'est le dernier. Après, il m'en reste un de l'autre modèle que je vais vous présenter avec la robe bleue tout de suite après. Donc voilà, robe en soie. Donc au niveau de la taille, on va jusqu'au 46 sur ce modèle-là, puisqu'après vous allez régler la bretelle, vous la montez, vous la descendez. Le fait de garder le bandeau, ça me permet moi de me sentir moins nue quand je vous présente les choses. Alors bien sûr, vous pouvez faire ce genre de choses, hein. Le bandeau peut être d'une autre couleur, il peut être dans un des tons de la robe. Après, ça dépend du décolleté, vous pouvez aussi resserrer avec les petites pinces. Alors les petites pinces, vous vous êtes jeté dessus, j'en avais rentré, je crois presque une cinquantaine, il m'en reste deux blanches. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, vous me faites un petit MP, il n'y a plus de grise, il n'y a plus de rosé, il n'y a plus de noir, il reste deux blanches. Voilà. Donc la robe était à 45 euros. Elle va passer à moins 40%. Voilà. Robe en soie, on est très bien. Si vous voulez, vous pouvez aussi la ceinturer et la porter en style bohème. Alors, je vais prendre une ceinture dans les tons moutarde. Voilà. Et vous pouvez aussi la porter comme ça. Puis vous mettez le pull par-dessus. C'est très, très sympa. Voilà. Je vous ai donné la taille, je vous ai donné le prix. Je passe à un autre modèle. Voilà, c'est le même pull, mais ce n'est pas le même motif que l'autre. Je vous remonte l'autre que j'ai mis à l'envers sur le cintre. Voilà, là, on avait des plus gros losanges. Là, on a un peu plus d'espace entre les motifs. Et il a, celui-ci, une bande qui resserre un petit peu sur le bas. Voilà, on a un motif différent sur le bas. Là, vous le voyez ici. Voilà, donc il resserre un petit peu. Donc, je veux dire que celui-ci, au niveau de la taille, jusqu'au 48. 46, 48. Après, j'ai peur que ça serre un petit peu ici, que 50 soit un peu trop juste. Mais voilà, la couleur est super sympa. C'est un bleu royal et du coup, il va parfaitement avec la robe à bretelles. Donc, la robe à bretelles qui est soldée aussi à 40%. Voilà. Donc, elle est un petit peu grande pour moi parce que là, on est sur un modèle qui va aller jusqu'à la taille 52. Du 46 jusqu'au 52, elle est bien longue. C'est
est la dernière sur ce modèle-là, avec un joli imprimé bleu. Elle sera très belle avec du vert émeraude. Je crois que j'ai un pull. Alors, ça c'était le bleu canard. Il me semblait que j'avais un petit gilet magique vert émeraude, mais je crois qu'il est déjà parti. Parce qu'il y a aussi les gilets magiques, vous vous rappelez, les petits gilets. Alors, je les ai peut-être là, je vous montre. Voilà les gilets magiques. Donc en bleu royal, et puisque j'y suis, donc je fais une parenthèse, donc le gilet magique est à 25 euros, ça sera le dernier essor, je pense que je vais plus en faire rentrer là maintenant, de toute façon je vais plus les retrouver. Donc vous l'avez en bleu royal, bleu jean, je m'approche comme ça, vous voyez bien la nuance, bleu jean, ce joli vert, c'est pas kaki, c'est j'allais dire plutôt vert olive, voilà, très joli vert, rouge, bordeaux, alors il n'y a pas une grosse différence, mais... Voilà, vous voyez un petit peu, c'est une nuance. Hein. Voilà, le noir, bien sûr, intemporel, et deux sortes de beige. Un beige taupe et beige. Voilà, donc là, on a quand même pas mal de basiques en dehors du rouge et puis du vert olive. Donc, c'est très pratique aussi. C'est comme le pull filet, c'est autre chose. Le pull filet va coiffer, enfin coiffer, va couvrir le décolleté. Le gilet va vous laisser apparaître le décolleté. Ça va dépendre de comment est fait votre robe sur le dessus. Donc, et malgré tout, on a beau dire, ils tiennent quand même un peu chaud. Donc, pour l'intersaison, ils sont parfaits. Et le prix de la robe, donc elle était à 57 euros en prix de départ, moins 40%. Donc, elle va passer jusqu'à ce soir à 34 euros. Voilà, cette robe qui va jusqu'au 52. Très agréable, bien longue, que vous pouvez également ceinturer. Alors, est-ce que j'ai une ceinture? J'ai pris le premier bleu qui me passait sous la main, mais il passe, c'est un bleu jean. Ça irait d'ailleurs très bien avec le gilet magique bleu jean. On peut faire un super ensemble aussi. Voilà, et vous pouvez la porter comme ça. Et puis, si vous aimez porter un petit peu loose avec un bandeau, si jamais c'est un peu grand au niveau de la poitrine, ça passe aussi. Alors, il me reste trois pareos, je crois, que je solde à 10 euros jusqu'à ce soir. Alors, le pareo, soit vous le portez en petite veste. Alors, j'ai mis un dessous noir. Je vais le mettre avec du blanc tout à l'heure, vous verrez mieux. Et du coup, vous le portez en veste. Voilà, avec un pantalon, avec une jupe, avec une robe à bretelles pour cacher un peu les bras. Moi, j'ai mis quelque chose d'un peu large, mais voilà. Et du coup, vous allez cacher les bras élégamment. Donc, c'est super pratique. Vous pouvez le resserrer sur le devant avec un petit nœud. Voilà, vous pouvez même, si vous voulez, je vais prendre une ceinture claire, le ceinturer en rapprochant les bords. Hop. Voilà, et ça vous fait aussi une tenue très sympa. Là, sur un pantalon, c'est peut-être moins joli, surtout sur un pantalon noir. Mais voilà, le pareo, donc je l'appelle pareo parce qu'au démarrage, c'est un pareo que vous allez mettre bien sûr sur votre maillot de bain. Mais vous pouvez le porter en déshabillé le matin quand vous vous levez, sur votre chemise de nuit, sur votre nuisette, ou sur ce que vous portez. Ou le porter aussi en extérieur. Donc en noir, et je vous le montre en blanc. Voilà, j'ai laissé le dessous noir pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Vous voyez, il est resserré à la taille. Et vous pouvez tout à fait en faire un peignoir, un déshabillé du matin sur la plage. Là, pour le coup, je vais ceinturer avec du noir. Elle va être grande, cette ceinture, je pense. Non, ça va aller. Voilà. Et ça peut faire un look intéressant. Donc, 10 euros les pareos au niveau de la taille, si on le ferme pas. Voilà. Je vais dire qu'on va aller jusqu'au 46-48 sur ce modèle-là. Alors, pour terminer ce quart d'heure mode mélangé, solde, pas solde, je voulais vous montrer deux articles qui sont à 5 euros. Ils sont vraiment en déstockage, parce qu'il m'en reste encore pas mal. J'en avais pris trop. Voilà, et du coup, il en reste plusieurs. Donc, c'est ce chemisier. Donc, ce chemisier, comme vous le voyez, donc cache-cœur avec des petits boutons. Donc, un élastique sur le devant et le dos est plus long. Je vais enlever les autres coloris pour vous montrer. Voilà. Donc, vous pouvez le porter sur un jean, sur un short. Vous pouvez remonter les manches. Elles sont élastiquées. Il existe en trois coloris. En blanc. Alors, c'est blanc. Si, c'est blanc blanc. C'est blanc beige, très clair, ivoire. En rose. Et en noir. Très joli aussi. Peut-être que je vous mets du bon côté. Très joli aussi en noir. Donc, il y a deux tailles. Une taille assez petite. Il y a SM et LXL. Donc, SM, je vais dire 34-36. Petit, petit 38. LXL, c'est 38-40. 42, je ne suis pas sûre. 40, petit 42. Donc, si vous êtes dans les petites tailles, ces jolis chemisiers qui seront très sympas pour la rentrée passent à 5 euros. Ce sont les derniers. Et donc, hop, je vais lancer.
Le dernier article qui va passer à 5 euros, c'est ce joli haut brodé. Moi, j'en suis pris un. C'est très pratique aussi pour plein de choses, que ce soit avec un pantalon noir, avec une jupe, la jupe blanche que je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, je pense que je les mettrai avec. Donc, il a une particularité, c'est que le dos, je pense que vous allez voir, voilà, le dos est ouvert, un peu, il descend comme ça, mais on ne voit pas la lingerie. Alors, on la voit par transparence. Là, j'ai mis un soutien-gorge blanc. L'idéal aurait été de mettre un soutien-gorge chair. Je ne me suis pas rechangée. Donc, voilà, ils passent à 5 euros ces petits hauts brodés. Franchement, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Ils sont très sympas. Donc, il va me rester du SM et du LXL. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai fait des petits bouts parce que j'ai été interrompue par des clients. Donc, je ne sais pas au niveau temps ce que ça va donner quand je vais raccrocher les bouts en espérant que ça passe au niveau informatique. Je suis à votre disposition pour toute question. Le showroom est ouvert jusqu'à samedi. Lundi, je suis encore un peu par là si jamais il y a des expéditions à faire. Et puis après, ben, on se retrouvera à la rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances si ce n'est pas encore fait. Un bon retour si ça se projette. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis encore là.